Je m'appelle Warren Perrin et je viens d'Erat, une petite ville dans la paroisse Vermillon dans le sud de la Louisiane. J'avais un frère, Terry Perrin, qui était né dans 42. Et comme proche tous les enfants dans ce temps-là, il était élevé parler seulement la langue française. Mais à cause de ça, c'était contre la loi de parler français dans les écoles, il était puni. Il a eu beaucoup de misère. Quand moi j'étais né dans 47, tout a changé à cause que mon père a revenu en Louisiane après la Deuxième Guerre. Il disait à tout le monde, j'ai parti de la Louisiane, un Cajun, mais j'ai revenu un Américain. Ça veut dire qu'il ne voulait pas que moi je sois élevé comme mon frère Terry. Il a décidé, avec des discussions avec ma mère, que avec moi, le seul langage serait d'être langage anglais. Plus tard dans ma vie, j'ai commencé à découvrir ma culture acadienne. Et pendant le premier Congrès mondial acadien à Nouveau-Brunswick, j'ai eu l'opportunité d'aller. Et c'est ça un événement qui a changé ma vie. Et ça me donne une fierté d'être acadien.